vendredi 12 août 2011. Et donc Chicago, et juste derrière moi, là, voilà, une manifestation, ça me rappelle le Japon, vous vous souvenez, quand j'avais filmé une manif au Japon, manifestation de Bank of America, qui, voilà, une manifestation syndicale, un de leurs leaders a été viré apparemment. Donc voilà, ça commence fort ce matin. Station. Et bah, grand moment d'émotion parce que c'est quand même juste derrière moi l'escalier où a joué donc Kevin Costner dans Les Inrecuptibles avec Sean Connery, où il y a cette fameuse scène où il y a le landau qui tombe, et voilà, c'est une des grandes scènes du cinéma américain, et voilà, ça fait quelque chose quoi d'y être. C'est une scène qui a été reprise de du Potemkin, et puis aussi qui était vu aussi dans un des films japonais de Kurosawa, dans La Forteresse Cachée aussi, où il y a un objet qui tombe à côté des gens qui déboulent l'escalier. Et donc, bah voilà, ça fait partie des clins d'œil qu'il y a entre les différents types de films et différents types de cultures. Et un film russe, un film japonais, un film américain. Et donc voilà. Pour moi, c'est pas mal l'émotion, moi qui adore le cinéma, c'est un moment important. Donc là, on arrive dans ce qu'ils appellent le Financial Canyon, le canyon financier, si on peut traduire ça comme ça, du fait qu'il y a tous les banques, les grands buildings de la finance, donc c'est assez impressionnant. Bye.
and Buick. This is an Orange Line train to Midway. This is an Orange Line train. Train seat is next. Doors open. This is Quincy. Looks good, yeah. We're going to see the train way ahead of us. The train way ahead of us, too. Cars. Washington and Wells is. Yeah, we can't. That's the glass. See more glass. Donc nous sommes sur le Loop, on vient de prendre le train. Alors bon, ça coûte 2,25 $ pour prendre le métro. Donc pour faire le tour de la ville, c'est quand même assez sympa. Faut pas se tromper par contre, parce que tous les trains vont pas dans le même sens, et voilà, donc pour bien faire le tour. Et c'est quand même assez top, hein. On voit toute la ligne qui fait tout le tour comme ça du centre-ville. C'est très très sympa à faire. Cet après-midi, je vous propose une petite balade dans Burnham Park Harbor. Tranquille, quoi. Alors dans le coin, il y a plein de choses, il y a un planétarium, il y a
Il y a un musée de sciences naturelles, je sais plus quoi d'autre. Enfin, il y a plein de choses à faire. Là, je suis rentré dans le planétarium, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc je sais pas si j'irai plus tard. Et c'est très sympa, il y a une petite plage aussi, que je vais juste vous filmer maintenant. Donc c'est un endroit bien sympa, qui est donc dans le sud du Millennium Park. Au sud du Millennium Park. Petite vidéo de fin de soirée, donc ma journée se termine, j'ai fait un peu de shopping, tout ça, donc je vais pas filmer tout ça, puis on verra demain si je filme. En tout cas, c'était une deuxième bonne journée bien sympa à Chicago. And then Jermaine came in and I said, Jermaine. And Jermaine came up and hugged me and he was crying and the tears were on my cheek. And then I turned around. All those thoughts that come in, the condemnation, feeling like they don't do enough, they're not good enough, they're not praying enough, they're not reading enough. That's a religious spirit. Mm. And it's like before you're a Christian, you're out in the world and you feel bad about yourself. And then you come into God and you're still feeling bad about yourself. Yes, he used propofol. There were other doctors who administered it to him. Conrad Murray administered it to him. And when I was at that emergency room, I didn't know. Hi, I'm Alvin Slaughter, and we are living in challenging times today. You have suffered a little while. God Himself, I love that. God Himself, not just the angels, but God Himself will make you strong, firm, and steadfast. Ministered propofol to Michael Jackson virtually every night for 6 weeks. Wow, I mean, that's a dramatic and scary sort of moment. I mean, I'm sure, you know.